Oui, bébé. Je vais prendre une bière. Attends, maman va prendre une bière. Hein. Oui, mon ami. Maman va boire une bière, elle est fâchée. Oui bébé, c'est bon là maintenant. Mon téléphone a un problème en fait. Mon téléphone a un problème. Si je ne suis pas guéri, je vais boire la bière là. Bébé, on va. Je vais appeler au pays. Je vais dire que vous aimez le succès sur la toile ciel. Je vais appeler au pays. Je vais dire que. Faites que ça bleu, cela ne guérit pas. Hein, regarde, j'ai la despite devant moi, mes billes. Chouin. Pardon? Wepe. Tu dis que tu vas appeler que quoi? Donc, vous croyez que moi là, je suis malade comme j'étais malade là? Hein? Moi qui aime le Congo, c'est le Congo ça sur moi-même. C'est vrai comme dit que non. Chargé de la communication me dit que non, maman Pepe, non, ne fais pas le direct là-bas, il est en l'hôpital. Moi, je voulais faire le direct. Étant à l'hôpital, elle m'a dit que non, tu ne fais pas comme ça. Parce qu'il faut écouter aussi la charge de la communication. Voilà, parce que tu ne restes pas tranquille, tu ne t'assois pas. C'est pour ça, va un peu dans ta chambre, prends tes jouets, tu vas un peu dans ta chambre là. Ou tu t'assois là-bas, tu restes tranquille. Assieds-toi ici. Assieds-toi là et tu restes tranquille. Tu regardes là. Voilà. Reste calme. Tu étais calme tout à l'heure, mais dès que je lance mon direct, tu veux me gâter mon direct. Pourquoi? Donc, tu crois que moi, je suis trop teubeux pour venir. Tout le temps là, vous êtes en train de faire des directs, vous m'insultez, vous parlez les choses, vous parlez les choses, je ne sors pas. C'est parce que je voulais bien guérir. Donc maintenant, tu peux appeler alors qu'on dise que ma blessure ne guérit pas. Mais biche, grosse langue. Grosse langue, j'ai dit, ma blessure a guéri. Tu as compris, non? Hein? Ma grosse langue. C'est comme ça qu'on devait l'appeler. Ma grosse langue. Je suis moi tranquille dans mon coin. Je vous ai toujours dit que moi je réponds toujours quand on ne s'attend pas. Tu vas m'insulter, tu vas m'insulter. Le jour que je viens insulter, on va se demander qu'est-ce que la fille a t'a fait alors qu'on ne voit pas que tu m'as insulté d'abord il y a peut-être 3 jours ou un mois. Parce que quand moi je viens, on voit seulement que je suis venu. On ne voit pas que tu m'as provoqué avant. Donc là, je vais ouvrir le téléphone, on te lave bien. Elle s'appelle Endale, Emine Endale. Tu vas m'amener où? Tu vas me faire quoi? Emine Endale, tu as la grosse langue dans la bouche. Je t'appelle grosse langue, je te surnomme maintenant grosse langue 1. Quand tu prononces mon nom, avec tes lunettes, viens, je te nettoie le visage, tiens. Viens. Et à Capella, je te nettoie le visage. Viens, je te nettoie très bien ton visage. Tu as compris? Je suis plus belle que toi, aller et retour. Oui, aller et retour. On me place devant ton gars là, il va te chasser de la maison. Tu as compris, non? Tu crois que c'est en préparant comme tu prépares là que tu vas le caler là-bas? Tu as fait 10 ans. 10 ans sans qu'un homme te fasse la bise. Là, c'est un rappel que tu n'entends pas. Maintenant, tu vas faire comme tu fais la compétition avec quelqu'un. Avec ta grosse langue dans la bouche. Une gars qui a fait plus de 10 ans sans avoir l'homme à côté d'elle. Le jour qu'elle a eu l'homme, il faut voir comment elle appelait les anciennes TK. C'est là. Maman, la santé est ça. Dès matin, ma femme. Avec la grosse langue qui remplit dans la bouche du gars autrui. Lui-même, la Saint-Hawagodou, il va faire comment? Il est obligé seulement parce que tu le trompes avec les petites nourritures. On dit qu'une côtière, une côtière. Tu n'es pas une côtière. Tu mens. Tu n'es pas une côtière. La politique t'a dépassé. Et je veux te rappeler que pour faire la politique, on n'a pas besoin de lignes écrites. C'est la popularité que tu as. On peut te donner un poste. Le fait que je suis populaire, je peux avoir un poste dans la politique, ma puce. Écoute-moi très bien. J'ai dit, votre disque est rayé. Changez de disque. Changer de disque, parce que ce que tu dis là, on a déjà dit ça, ça fait plus de, ça fait que depuis combien d'années que nous sommes sur la toile? Ça fait plus de, quoi? 6 ans, 10 ans que je suis sur la toile. C'est les mêmes chansons, les mêmes chansons. Il faut un peu changer les chansons. Il faut changer un peu. Je vous ai dit que tout ce que vous racontez sur moi, tout ce que vous parlez de moi, tu dis que tu es une ancienne TKC, tu n'as jamais été une TKC. Tu n'as jamais été une TKC. Avec ta grosse langue, la grosse langue dans la bouche cheminée, boum, tu vas étouffer bientôt. Tu vas étouffer, sale chose.
Parce que tu dis que je prononce ton nom aujourd'hui, mais tu m'allais pas. Il fallait mettre les lunettes avant de... Ou bien il fallait bien te nettoyer avant de venir parler à Pepe, tu m'allais pas. Tu t'es regardé quand tu parlais de moi. Hein? On t'a dit que j'ai les lunettes. Regarde bien. Tu as vu que j'ai les lunettes là. Tu m'as vu avec les lunettes. Et tu veux me parler. Donc tu veux faire quoi, la compétition de maison avec moi? Tu voulais qu'on voie le chez toi? Je n'ai rien à vous prouver, moi. Moi, je n'ai rien à vous prouver. Je dors sous le pont avec mes enfants, mais je te dépasse. Je suis une clocharde, mais je te dépasse. Oui. Tu viens t'asseoir le matin. Moi, je ne te suis pas. Je ne te suis pas parce que tu n'as pas d'importance. C'est ce matin qu'on m'envoie une de tes vidéos que tu es en train de me clasher. La première vidéo où tu m'as clashé, que tu dis que je vais vous recadrer. Tu es partout. Il paraît que même ma copine là-bas, tu as dit que tu n'es pas d'accord pour son litchi. Toi qui? Toi quoi? Toi-même tu cotises? Toi-même tu cotises? Si tu as cotisé dans la TKC, viens moi-même personnellement, je te rembourse. Tu as cotisé combien dans la TKC? Tu as cotisé combien dans la TKC? Le jour que tu fais le direct, c'est le jour que tu as acheté 3 ou 4 morceaux de maquero pour venir embrouiller les gens qui se préparent. Tu sais préparer, tu sais faire à manger. Sale chose. Toi, tu sais faire à manger avec ta grosse. Tu es sale. J'ai dit ça. J'ai dit que tu as une grosse langue. Tu as une grosse langue. D'accord? Une idiote comme ça. Tu mets ta soeur, tu parles de moi. On t'a dit que je suis les fesses des femmes. On t'a dit que je suis les fesses des femmes. Vous, la bande des anciennes là qui disent que vous étiez les TK, c'est là. Vous vous léchez là. Parce qu'un jour, elle m'a appelé à mon direct. C'est un point, c'est son nom. Un point, c'est son nom. Et pas un retard. Baissez le carré. Bushman. Nchulazout. Mi bilan. Tu es qui? Que je ne vais pas prononcer ton nom. Je ne prononce pas ton nom, que tu es qui? Tu es quoi? Emine Ndale. Tu es une sale chose. Avec la grosse blague dans la bouche. Tu as commencé ici là que. Tu as vu que la politique est calme. Tu quittes dans la politique maintenant pour venir suivre les blogueuses quand tu veux aussi insulter. Toi, tu peux insulter quelqu'un. Tu n'atteins même pas ma cheville, moi. Tu as fait combien d'années sans qu'un homme ne monte sur toi? Tu as fait combien d'années sans qu'un homme ne monte sur toi? Tu léchais mes bottes, toi, idiote. Tu étais mantinda. Aujourd'hui, tu veux me parler de moi. Tu as été mantinda. Tu as été mantinda. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu parles d'une noble fille Bako Kobasa de mon état, idiote, va. Tu t'es regardé avant de venir t'asseoir pour parler de moi. Chaque fois que tu vas parler de moi, tu vas gonfler. Tu as compris? Tu vas porter les collants. Je ne sais pas qu'on porte les collants avec le pantalon. Jamais. Depuis quand on porte les collants avec le pantalon? Bouboule. Tu viens parler à qui? Baisser le carré. Parce que tu aujourd'hui, tu es aussi un homme à côté de toi. Tu crois que tu es une femme? Tu crois que tu es une femme parce qu'un homme est à côté de toi aujourd'hui? Tu as fait combien d'années sans avoir un homme à côté de toi? Jusqu'à. On dit que. Hé, hey, maman. Tu as eu le gars. Elle dit que dès à penser à moi, Ngaké a fait ses combien d'années sans qu'on n'ambida. Maintenant qu'elle a un homme aussi, elle veut montrer qu'elle est quelqu'un. Avant de commencer de faire tes directs, tu habitais où? L'appartement que tu habitais, c'était comment? Tu ne friais pas le poisson si tu dormais ici à côté, idiote. On commence comme ça pour devenir comme ça, là, pisser le carré. Aujourd'hui, parce que tu as un canapé, tu veux me parler aussi. Tu avais ça avant. Tu avais ça avant, ça tu dis qu'il va te montrer de chez moi. Tu veux que moi aussi prenne maintenant aussi te montrer. Je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai rien à prouver à personne. Tu veux que je te montre aussi. Tu veux que je tourne sur la caméra et te montre aussi comme tu as montré. Espèce de petite parvenue, va. Tu veux parler à qui? Tu veux parler à qui? Je pars au Cameroun en juillet, j'ai déjà mon billet d'avion. Je pars en juillet, j'ai déjà mon billet d'avion. C'est toi qui as payé ça? Ou c'est ta grand-mère qui a payé ça? Baisser le carré. Faut encore prononcer mon nom. Mettez-moi le numéro là-bas, là. Vous m'aidez à l'insulter un peu. La fille qui a la grosse langue là. Vous la lavez bien même. Il bit. C'est une qui ça même. Il parle de toi, j'ai la nausée tellement tu as ta bouche pleine de crash. Une fille qui est restée combien d'années, je ne sais pas combien d'années sans qu'un homme ne monte sur toi. Aujourd'hui que tu as eu un je ne sais pas si je peux appeler ça gars. Tu as aussi eu un bid d'ailleurs. C'est-à-dire, tu fais le rappel que toi aussi, tu fais aussi les bisous. Elle est maintenant que moi, de choses. Une vieille femme comme toi, c'est maintenant que tu viens de découvrir l'amour. Pessis le carré. Tu viens de découvrir l'amour à quel âge? À quel âge tu viens de découvrir l'amour? Tu découvres l'amour à quel âge? Les grands-mères comme ça qui ne veulent pas s'assumer, qui ne veulent pas prendre leur place. Mais t'assois en perpétue maléba. Je peux appeler au pays. Ta blessure. Ma blessure a bien guéri. Ça a cicatrisé, ma maman.
Ça a cicatrisé, tu as compris, non? Hein? Voilà. Toi qui, jusqu'à tu ne t'assois, mettez-moi le numéro là-bas, si vous voulez, vous me la lavez aussi bien. Moi, je ne connais pas trop insulter. Une ancienne lesbienne comme ça, là. Viens t'asseoir. Est-ce que tu veux parler de Pepetu Maliba? Pepetu Maliba est devenu quoi, le torchon? Pour faire même la politique, là, il faut savoir lire. Qui t'a dit ça? Qui t'a trompé? Tu sais pas qu'il y a tous les postes dans la politique. Il suffit juste que tu aies la notoriété. Que tu aies les gens qui te suivent. On te donne dans un poste là que, bon, amène tes vues là, viens, on vote ici là. On te donne un poste idiote. Tu restes à la maison, tu donnes, on te donne ce que tu veux manger. Tu oses venir parler. Donc toi aussi, tu vas venir m'insulter. Donc toi aussi, tu vas venir aussi insulter Pepetu Maliba. Quand Pepetu Maliba est devenu votre torchon là. Toi aussi, tu vas aussi venir m'insulter. Toi, cette bouffonne et d'Endale là. Une bouffonne, une rienton, une chiennasse. Tu vas venir t'asseoir, tu m'insultes. Avec tes lunettes le matin, il y a la crème. Viens, je te donne la bonne crème du visage. Ça t'enlève toutes tes bêtises que tu as sur le visage là, que tu appelles lunettes. Tu ne peux pas t'entretenir. On t'a pas dit qu'une femme s'entretient. Tu ne sais pas qu'une femme s'entretient. Hein? Une femme s'entretient. On n'a pas besoin du million pour s'entretenir. Idiote, va. Mibi. Viens encore parler de moi. Viens encore parler de moi. Parce qu'elle dit, je prononce ton nom, Pepe. Tu m'allais. Tu avais soif de prononcer mon nom. Tu avais trop soif de prononcer mon nom depuis là. Ça te démange. Tu as failli m'avaler ta langue même en parlant de moi. Tu parlais, tu as la tremblé ta grosse langue là. Dis donc, va voir l'ongoyo. On t'amène, on diminue un peu ta langue là aussi. Idiote, va. Tu viens bébé sur moi, idiote, bouffonne. Je suis guéri, voilà, ça va bien que je bois. Pour te dire alors que appelle où tu vas appeler. Comme vous avez toujours tendance à dire que vous allez appeler. Nous, on ne peut pas appeler. Excusez-moi, moi je ne suis pas une alcoolique. J'avais envie de boire une bière. Je ne suis pas une ivrogne, je ne suis pas une alcoolique. Je suis fâché. Je suis fâché. Parce que des pembèches comme ça viennent s'asseoir aussi pour parler de moi, pour m'insulter. C'est la deuxième fois qu'elle m'insulte. Comme elle veut entendre qu'elle a clashé Maliba Pepetu, ce qu'elle dit qu'elle prononce ton nom. Les choses de beau. Tu as été Mantinda. Si aujourd'hui tu me clashes, c'est malheureux pour toi. C'est toi qui dois avoir honte. Tu as travaillé pour moi, idiote. J'ai toujours dit que quand tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir, mademoiselle, tu as travaillé pour moi. Aujourd'hui, tu te retournes contre moi pour m'insulter. Quand tu n'es plus d'accord avec une présidente, tu t'éclipses, tu ne gueules pas. D'accord? Tu ne gueules pas. Il faut gueuler quand tu es encore dans la team. Quand tu parles, c'est de la lâcheté. Parce que moi, si j'ai dit à ma tête, je leur tape ça sec. Oh, oui. Et en passant, il y a quelqu'un qui a ouvert un litchi. Il y a quelqu'un qui a ouvert un litchi avec mes données, avec mon nom, pour qui a cloné un peu mon PayPal. Mais là, lui-là, la personne a ouvert un litchi. Je tiens à rappeler à la personne que tu vas avoir des difficultés après pour pouvoir retirer cet argent là, parce que apparemment le PayPal, depuis, ça n'allait pas m'étonner que moi je suis là depuis, je ne fais que parler qu'aller cotiser dans le PayPal, personne n'est pas cotisé. Il paraît qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a créé un litchi au nom de Maliba Pepetu pour et on a cotisé là-bas plus de 1700 ou c'est 1800. La personne qui a fait ça, il faut savoir que litchi là, ils sont très compliqués. Tu vas beau ouvrir un litchi à mon nom, fais tout ce que tu veux. Le moment où on va te demander ma pièce dentée, le RIB, ce n'est pas au même nom, tu vas te coincer. Ça, je te le dis déjà. Et les papiers de l'association, je vous tiens à vous rappeler que mon association est légalisée. Litchi, maintenant, quand tu pars demander, on te demande les papiers de l'association. Voilà. J'ai tous les papiers de l'association. Donc, quand je vais avoir la confirmation de ce lien, moi, je vais aller porter plainte avec les papiers de mon association. Ça fait 6 ans
que j'ai mon association, que je fais les dons. Ça fait 6 ans que je commande sur la toile. Qu'on m'insulte que je suis une commandeuse, une affamée. Ça fait 6 ans que je demande. Et le Seigneur m'aide toujours à partir, relever mes défis. Moi, je ne pas faire, on voit. Moi, je ne pas faire, on voit. Mais vous qui m'insultez là, je suis obligée, toujours, quand je ne pas faire, il faut que je fasse ça dans la transparence, que je montre aux gens qui m'envoient. Ceux qui m'envoient faire ce que je ne pas faire, c'est les gens qui me font confiance. Ceux qui me donnent pour aller donner à ceux qui n'en ont pas, ils voient. C'est pour ça que je suis obligée de prouver toujours, je suis obligée de montrer toujours en direct. Idiote. Je suis obligée toujours, quand quelqu'un nous se dit héros, il faut que j'aille montrer où ces 10 euros sont partis. D'accord? Est-ce que j'ai un salaire par rapport à ça? Est-ce que j'ai un salaire? Est-ce qu'on me paye pour ça? On ne me paye pas pour ça. J'ai un problème d'abord que j'ai un problème d'anémie. J'ai un problème d'anémie. Donc quand je monte et je descends à Yaoundé là-bas dans le soleil, vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Quand on dit don, on ne choisit pas à qui on va faire les dons. On ne choisit pas dans quelle maison on va faire les dons. Donc quand je fais les dons là, si c'est dans mon quartier aussi, je donne. Ta copine même, quand on avait fait les dons pour Kondengue, elle ne m'avait pas demandé d'enlever les médicaments pour moi là-dedans. Les Doliprane. Ta copine que tu viens souvent intervenir pour elle ne m'avait pas dit que maman Pépé, quand on allait, on donne comme s'il faut enlever un peu les médicaments pour toi. Tu veux t'asseoir, tu as ta grosse langue dans la bouche. Là, tu viens parler pour prononcer mon nom. Tu veux prononcer mon nom. Moi, je suis obligé de faire la propagande quand je pars faire mes dons. Je suis obligé de faire la propagande. Parce que quand je pars faire là, il faut que je montre que les 500 euros que vous avez donnés, ou les 10 euros, ou les 500 euros que vous avez donnés, voilà ce que je suis allé faire. Vous voulez jouer les militaires derrière moi? Il y en a là qu'on donne souvent, ils ne partent même pas donner. Ils ne partent même pas donner. Ils prennent tout, ils mangent. Et depuis que j'ai fait mes litiges ici, j'ai déjà eu un jour même 3 000 ou bien même 4 000. Quand vous me dites que je profite même, je profite quoi dedans même? Qu'est-ce que je profite? Qu'est-ce que ma famille profite même dedans? Qu'est-ce que ma famille profite dedans? Ma famille ne profite de rien dedans. Au contraire, ils sont avec moi, ils montent et descendent avec moi dans le soleil. Il y a souvent combien de personnes qui m'accompagnent pour aller faire des dons? Jusqu'à tu viens avec ta grosse langue, tu as donné combien de sacs de riz, toi? Vous croyez que quand nous, si on pas fait, on montre. Moi, je suis obligé de montrer parce que moi, c'est les gens qui me donnent. Ça ne sort pas de mes poches, je n'ai pas. Je n'ai jamais caché que je n'ai pas. Je commande. Oui. Je commande. Ça t'énerve. Comme moi aussi, je dis que tu as une grosse langue, ça t'énerve. La TK se sait plein. La TK se sait plein. Hein? Est-ce que la TK se sait plein? Toi, tu es qui, sale chienne, avec ta grosse langue dans la bouche? Vous pouvez mettre le numéro de téléphone là-bas qu'on la lave un peu bien là, pardon. Je bois un peu ma pierre. Et biche, une idiote comme ça là. Pétasse, c'est ton état. Nga, comme on fort mal. Mal baisé. Tu vois, toi. J'ai dit que maintenant là, tu me provoques, je te donne ta dose. Et je tourne la page. Regarde, je suis plus belle que toi jusqu'à la paume de main. Regarde. Jusqu'à la paume de main, je suis plus belle que toi. Regarde. Jusqu'au doigt, je suis plus belle que toi. Jusqu'au doigt, je suis plus belle que toi. Tu avais dit parler à qui? Tu parles à qui? Bouffonne, va. Tu parles à qui? Parce que je me suis mélangé avec vous. Tu as été mon employé. Tu as été mon chinda. Oui. C'est ça qui est la vérité. Tu as été mon chinda. Emine Ndale. Mof. Tu as été, Manchinda, tu partais insulter les gens pour moi. Tu partais insulter les gens pour moi. Ça veut dire par là qui? Hein? Ou toute là, vous avez été Manchinda? J'étais votre boss. Vous m'appelez Maman Pépé la chancelière. J'étais votre boss. Oui, j'ai été votre boss. Vous avez travaillé pour moi. Comprenons? Vous avez travaillé pour moi. Oui, c'est ça qui est la vérité alors. Vous avez travaillé pour moi. Moi, Ngrenga, qui n'était pas à l'école, qui ne sait pas lire et écrire. Mais vous avez été mes employés. Oui, c'est ce que j'ai toujours dit ici, là, que je ne sais pas lire et écrire. Mais sachez que vous savez lire et écrire. Vous allez travailler pour moi, je serai assise.
Et oui, c'est comme ça. C'est ça qui est la vérité. Eh oui, oui, oui. Tu as été Mantinda. Donc c'est une honte de venir t'asseoir aujourd'hui parler de moi. Je te dis que viens, comme tu as été Mantinda, je te donne ça gratuit. Ça, c'est la crème du visage. Parce que j'ai vu la vidéo aujourd'hui quand on m'a envoyé. J'ai vu les lunettes que tu avais là comme ça là. Les cernes. Tu dors comme. Tu fais le rappel de la binda qu'on ne t'a pas fait depuis des années là. Comme tu as fait plus de 10 ans. Une femme qui a fait 10 ans sans avoir un homme à côté d'elle. Dès qu'elle a eu l'homme, bam. Elle fait le rappel de bisous. Pour entendre qu'elle est aussi une femme. Elle est dans les métros, elle fait les bisous. Pour montrer que moi aussi je suis une gars. Vous croyez que ce n'est que vous qui êtes les gars. Les hawagoudou. Pétasse va. Idiote. Tu. Hey! Qui? Tu as la chance que je ne connais pas trop insulter. J'allais te laver comme ça là. Avec tes. Ou c'est les gaines, ou c'est les quoi que tu portes, les collants que tu portes pour porter le pantalon là. Imbécile. Tu vas toujours gonfler comme ça là. Doudou pompé, idiote. Appelez, vous insultez un peu la fille là. T'es cassé. Appelez, vous insultez la fille là pendant que je. Bouffon, tu me vaux. Je suis belle, je suis belle. Tu es belle, maman. Tu es belle. Toi, tu es belle. Tu n'atteins même pas le cas d'une TKC. J'ai dit bien le cas d'une TKC. Tu es partout. Comme le mauvais esprit. Sur tous les murs. Tu pars ici. Je ne suis pas d'accord. Hein? L'ongo, il dit là-bas qu'elle est où son dit. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu pars là-bas là. On a donné 2 ans derrière. On a donné 3. Idiot, va Bushman, idiot. Ah, c'est qui? C'est comme ça toujours que les gens sont. Une ancienne esclave. Aujourd'hui, quand t'as donné un peu ta liberté, tu viens t'asseoir, tu veux parler de moi? Hein? Tu parles de la politique? La politique t'a dépassé? Tu parles de la politique? Qu'est-ce que tu connais en politique, même d'abord toi? Qu'est-ce que tu connais en politique? Tu as été à l'école, comme tu dis, tu as un niveau. Tu as un niveau d'études, mais tu nettoies les fesses des vieilles personnes en Europe. Tu fais le ménage là dans les hôpitaux partout là. Tu fais le ménage partout, tu te lèves à 5h du matin pour aller faire le ménage. Tu viens me parler, moi. Avec le niveau que tu as. Ça, c'est le travail de celle-ci, de moi. C'est mon travail nettoyer, de faire les nettoyages là. On est donc tout pareil. Malgré que tu as le niveau scolaire, moi je n'ai pas de niveau. Mais je peux nettoyer le sol. Et si tu le sais, on peut m'embaucher nettoyer le sol. Mibi Bushman. Tu as fini de parler de la politique. Tu as fini de parler de la politique. Et ça, tu vas aussi t'asseoir, toi aussi tu vas entendre que tu parles de la politique. Tu ne connais rien en politique, mais tu veux aussi venir parler de la politique. Tu connais quoi en politique? Vraiment, les filles frustrées là, hein, les filles qu'on aime bien d'appeler, elles sont frustrées jusqu'à. Je suis plus belle que toi, ma chérie. Je suis plus belle que toi, aller et retour. Ça, je te le dis. Et je te confirme ça encore. Je tenais à te confirmer ça, que je suis plus belle que toi. Des doigts jusqu'à l'orteil. D'accord? Je suis plus belle que toi. Et j'ai de la présence par rapport à toi. Malgré que tu sois pompée comme tu es pompée là. J'ai de la présence. Si je me place, je suis petite comme ça. Mais quand j'arrive quelque part, on sait que je suis passée. D'accord? Tu es grosse et bête. Tu es grosse et bête. Tu as travaillé pour moi. Aujourd'hui, tu te retournes pour venir faire genre tu me manques de respect. Je te dois quelque chose. Toi et moi, quoi? On avait un contrat. Toi et moi, on avait un contrat. Va voir le Ngoye, ta main, on diminue un peu ta langue là. Ta langue est trop pleine dans la bouche, c'est pas beau. Normalement, tu n'as pas parlé devant les gens. Parce que quand tu parles devant les gens, ta langue là, ça pèse. Tu n'as pas parlé devant les gens. Mais quand tu parles, ça, ici, là, c'est comme si tu devais être même mongol. Dieu te va. Lave-moi la fille, là, dis donc. Allô? Oui, le WhatsApp est fermé, là. Oui, donne le numéro, sinon. Oui, le WhatsApp, tu que le truc, le comment on n'a pas encore installé le truc ici? Oui, qu'on appelle la peine normale. Qu'on appelle la peine normale. Voilà. Tu attendais quoi? Toi aussi. Insulte bien la fille là. Lave bien la fille là.
une idiote. Lave mes lèvres. Une ancienne esclave. C'est devant même que, ma chère, tu as vu tes choux, tu as vu ton jansan, tu vois à quoi ça ressemble, une pétose comme ça là. Moukona, tu me yambeyo, pourquoi ma pépé? Tu me yambeyo, ouvre encore bien ta chatte et tu parles ma pépé. Comme tu crois que tu es une femme, comme tu crois que tu es quelque chose, va te ramponner. Ma pépé, même, je vais la te dire. Tu perds même ton temps pour parler même d'abord de celle-là même. Ben, je parle d'elle aujourd'hui, là, après je parle plus d'elle, moi, tu connais. Non, tu perds même ton temps de parler d'une salope comme ça, là, d'une salade comme ça, là. Ça n'en vaut même pas la peine, tu donnes la visibilité, c'est même faux. Tu peux même passer 30 minutes à parler de cette salope-là. Et dès que tu as fini, comme tu la framponnes là comme ça, nous on reprend la relève derrière. Parce que les femmes comme ça ne doivent pas exister, les insectes comme ça ne doivent pas exister, les rats des goûts comme ça ne doivent pas exister. Les cafards, nous on les écrase. Oui, oui, attends, comme les abeilles, comme les moutons. Si c'est ça les saletés, hein, on a du mal à les éradiquer hein, sur terre. Hein. Ils sont toujours dans les trous, en train de baisser les trous dans les maisons des gens. Les gens se voient pour savoir ce qui se passe en face. Hein? Mais quand on a une dame comme ça là, hein, tu as un gigolo chez toi, hein, une veille qui y a. Elle avait 10 ans, on n'a pas mis son dos au sol. Ah, on tchare à Bengoul. Hein, il n'est pas fort au fait, le gars n'est pas fort aux fesses. Elle même n'est pas forte aux fesses. C'est une djoum comme ça, il n'y a rien dedans. C'est lolo. Au djoumboul. Hein? Voilà pourquoi la chatte n'a pas comme ça là. C'est lolo. Tu viens ouvrir ça. Tu viens venir parler à n'importe qui. Tu as ma bébé. Regarde la beauté de ça. Regarde l'élégance de ça. Regarde la présence de ça. Tu la ressembles. Tu la ressembles. Sans vous mettre en temps, tu la vaux. Arrêtez un peu que elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Elle vous la vend des. C'est du réchauffé. Je ne sais pas quoi là. Hein? Toujours du chauffé, toujours la même chose. Mamie, pas autre chose en voix. Là, comment elle est comme une chouette. Là, comment elle est comme le porc. Avec le joue, on dirait le lapin. Avec ta tête, on dirait la girafe qui vient d'accoucher. Une chienne comme ça, là. Une chienasse. Une femme qui n'est pas fort faite. Ça fait longtemps qu'elle n'a même pas niasse. Ça fait longtemps qu'il mal baisé comme ça, il vient s'asseoir avec ses fesses de caca pour venir parler à n'importe qui. Quand tu vois ma pépé, mais c'est quoi ça? Vous voulez que tu salis ce qui est propre? Hein? Vous voulez que tu salis ce qui est propre? C'est vous réveillez à quel moment même, non? Tu as vu les cernes que tu as sur la face? Tu as vu les. Et c'est sérieux, hein? Tu as vu les cernes? Je l'offre l'huile du visage, là, je l'offre ça. Qu'elle n'est pas honte, elle envoie quelqu'un et on cherche ça pour elle. Mais quand tu retournes ta face, la couleur est noire là-bas, l'eau que j'aime là-bas, donc viens, tu donnes le jansan, on repète ton corps là. Viens, je te façonne à mon image. Oui. Ça c'est un bon jansan. C'est quoi cette sale femme comme ça là? Une chienasse comme ça là? Hein? Tu as ta chatte à l'est? Hein? Demande au gars qui est là-bas dedans, toi tu as mon cœur là, te framponne un peu. Tu vas dire, viens t'énerver, viens t'ouvrir ta large ou ton long string là pour venir parler à n'importe qui. Elle est même si elle est quand même non, elle est quand même non, elle est venue à mettre ta piquera, on va se te montre, on va se quoi, mon n'importe quoi. Mais tu as ta veuve, elle est quand même non, elle est même. Même un petit peu de cœur, il boit le jour, ton jour, l'argent, il va. Va. Et donne 5 minutes de folie. Comme tu as ma bébé, tu as un béni. On a te dit un béni 10 fois. Le cul de ta mère 10 fois quand même. Tu sais, chance que l'enfant là à côté là. Tu te veux te sculpter un peu correctement même. C'est ça qui nous bloque aussi même. Elle a le lave aussi bien même. Il lave toujours. Il y a un béni de Bova. Moi, pour ma sévane à toi, pour la mettre. Tu aimes que le nerveux pour venir te nerver sur les gens. Les drones comme ça là, avec le gros corps comme le porc qui est en face là. Mais il n'en est pas, non?
Mais lui, donc tu crois que quand on est grosse, quand on est bien nourri, je vais te dire ça, ma chère, avec un lame qui pèse l'aideron. Tu penses que parce qu'on est grosse, ça veut dire qu'on est bien nourri? Mais je sais pas quand tu parles. C'est la malnutrition. Mais franchement. Elle ne sait pas ce que ça veut dire en français. Malnutrition. Elle te boit à chaque fois, elle te boit. Elle mange que de l'huile, elle bouffe de l'huile. C'est tout ce que tu sais faire. Une pétasse comme ça, une connasse. T'as rien à faire de ta petite vie, mais occupe-toi de ta vie, occupe-toi de ton tas de grains, de tas de grains. Occupe-toi de ton tas de grains. Tu laisses maman pépé tranquille, là. Tu la laisses tranquille. Elle s'occupe pas de toi, elle n'a rien à foutre de toi, elle ne sait même pas qui tu vis, elle ne sait même pas ce que tu fais, si tu chies, si tu te fais plaisir. Elle n'a rien à foutre d'elle, elle ne sert à rien du tout. Rien du tout. Mais il y a un moment, il faut mettre les gens à leur place. Et comment on parle de toi, et comment on essaie de te fabriquer là, c'est le dernier truc qu'on fait sur toi. Maman, j'attends les fumées des moutons. Je vais faire mon gombo avec dans la semaine là. Voilà. J'attends ça. Peut-être vendredi, je vais faire le gombo. Les fumées des mouna. Les fumées des mouna. On a mis la hâte. C'est mouton ou c'est mouna? Mouna. Les fumées des mouna. Hey, Oko. Il fallait aller au site. Vous commandez les fumées des mouna. Vous n'allez pas regretter. Regardez comment c'est orné. Regardez comment c'est bien fait. Maman, j'ai au goût de ça. Je vais faire mon gombo avec le poisson fumé. Voilà, maman, tu tournes ça, comme tu connais. Mais tu pétasse comme ça, tu s'assois avec les fesses, aux fesses. Pourquoi on a une mimique, tu pisses. À tout de quoi, jusqu'à que ta femme est mauvaise ici là. Dégage, reviens encore ici là. Mais tu pour l'emporter, moi, puis tu n'as pas besoin de rester là, dégage. Comme je parlais d'elle là, moi, je peux parler d'elle. Comme je parlais là, c'est fini, elle ne sert à rien, c'est une bouffonne. Tu ne sais pas que ça l'occupe. Regarde-moi une petite mèche cul comme ça là. Elle ne vient pas derrière, elle a la tête cassée. Je ne peux pas parler qu'elle a la tête cassée. On t'a dit qu'on emprisonne les gens à la tête cassée. Est-ce que la tête cassée c'est l'insecte? La tête cassée ce n'est pas l'insecte. Ne confonds pas le temps d'avance, hein. J'aime. Dieu est chouette. L'aide. Parce que quand on te dit que tu es l'aide, tu es l'aide. Et tu as une grosse langue. Merde, ça pèse, mais même le poids est mieux. Il est maintenant, Pépé. Oui, moi je vais couper là parce qu'il faut que j'aille m'occuper de la femme là. Maintenant là, elle est réglée. Elle est revenue à 21h20. Comment est-ce qu'elle revient encore? Comment est-ce qu'on les fabrique? On ne te fabrique plus. Ne reviens plus. Qui? C'est sûr qu'elle peut faire un commerce. Elle veut commencer un commerce. Donc elle veut d'abord venir dans nos clashs. On le connaît, non? Eux, tout ça, ils viennent d'abord me clasher quand ils commencent un commerce déjà. C'est sûr qu'elle a un commerce qui va me mettre sur le marché. Elle vient d'abord me clasher pour qu'on la clash, pour qu'on la connaisse. Pourquoi on puisse la connaître? Parce qu'elle a parlé de politique ici, personne n'a calculé. Oui, mon amour. Ouais. Les gens que plus ne te cherchent pas. Maman, tu es quoi? Tu ressembles à rien. Tu es rien. Et tu ne seras rien. Bah, dis-lui de venir chercher la crème. Dis-lui de venir chercher la crème du visage pour son visage. Son visage est sale. Et les kentos. Parce que ses doigts sont noirs. Même les kentos, lui font des kentos. Ah, c'est vrai? Ah ben, je l'offre. Ah ben je l'offre, hein. Je l'offre une gamme de 300 ml. Je l'offre une gamme de 300 ml. Et c'est ça qu'elle dit qu'elle est plus belle que moi. Hein. Tu es plus belle que moi. Tu l'offres une gamme de 300 ml. Tu l'offres qu'on est quelqu'un plus. Parce que c'est grave. Alors tu arroses les pieds. La Rihanna camerounaise, tu peux. Tu me peux. Le Wanda même. Soigne. Le Wanda, c'est chienne là. Une chienne en laisse comme ça, là, on n'arrive pas là à l'arrêter. Seulement, on la laisse le temps, elle parfait n'importe où. Et qu'elle a fait 10 ans, on n'a pas de tourment. 10 ans, bien compté qu'on n'a pas de tourment. Mais, c'est un petit peu, tu as vu que c'est à moins cher. Oui, c'est moi, ça moins cher. C'est moi, ça moins cher. Jusqu'à dire que le message est passé. Moi-même, donc quand elle dit que grosse langue. Donc quand elle dit grosse langue, le message est passé. Chouane, bouchement. C'est quel cabinet de goût qui veut parler là? C'est quel trou là? C'est quoi ça? Oh, mais quand tu joues ça, ma fille, ma fille, vraiment, je vais m'occuper. Elle est venue chez nous. Nous, on est la tête gâtée, elle est partie de ma pépé, elle est fan de ma pépé. Nous, on est les femmes de maison, les mamans, les responsables. On n'est pas des rois, on n'est pas des putes, on n'est pas des camionneurs. Ne confondez pas le confondement. Hey, ne confondez pas le confondement. Abolé. Vous connaissez que la tête cassée passe le temps. Ça donne pas le lait.
On s'en fout que les anciens TK se sont partis, on est toujours là. Mouf, les anciens TK se sont partis. Elles étaient hypocrites. Voilà. Parce que moi, si je suis dans une team et que je pars, je reste dans mon coin. Voilà. Est-ce que je les calcule? Moi, je ne les calcule pas, moi. Tu ne peux pas ton moi, c'est là. Moi, je ne les gère pas. Moi, je ne les gère pas. Elles ne servent à rien. Quand tu me fais ça, Ménis Jacapé, quand tu me fais la team TK, c'est pas en paix. J'étais dans la team. Tu étais dans la... Elle dit qu'elle était dans la team. Elle était dans quelle team? Elle léchait mes bottes, oui. Imbécile. Et Wanda même, une lèche-cul comme ça, là. Hein? Une Tinda sans salaire. Pauvre Tinda de son état. Vraiment. Elle avait son tas de choses, mais son salaire. Je vous ai dit. Vous les gens là qui partez, vous là, vous qui partez chez Longoï, soi-disant pour vouloir, comme elle est toujours aussi, elle aussi bête, attends, je prends un peu Longoï, rapproche un peu, j'insulte un peu Longoï aussi à son tour. Ok, c'est ça. Mm-hmm. Ne mets plus le numéro, parce qu'après là, je coupe. Comme Longoï est bête comme ses deux pieds gauches, comme elle est stupide là, que chaque fois que les gens qui étaient derrière mon cul là, quand il quitte là, il vient chez elle, elle embrasse. Soit disant, elle croit. Tu crois que moi je peux donner ma vie? Si déjà même celle qui était, on dit que c'était ma grande soeur, n'a pas ma vie. Elle a amené des photos bizarres qu'elle a mis sur la toile que c'est moi. Elle a dit que j'ai tué Duke Saga. Elle n'a aucune balle sur moi. Quelle est la balle qu'elle pourrait avoir sur moi? Tout le monde qui est venu vers toi, tu croyais qu'on avait les balles sur moi. Tu prends, tu embrasses. Toi, Longoï, la bête comme tu es. Dès qu'une TK se vient. Tu dis que oui, viens. Il y a une chienne là qui m'a insulté. Tu as embrassé cette chienne là. Soit disant, ou c'est pour me faire mal, ou c'est pour que quoi, ou je ne sais même pas. Tu es prends toujours mes restes. Toi, tu es en train de prendre mes restes, Ngoï. Tu es toujours en train de prendre mes déchets. Tu ne vas pas tout rester dans ma poubelle que chaque fois que je vais jeter des déchets, tu ramasses. Ngoï, tu as dit que tu es le neuf. Je t'avais enlevé le titre du neuf là, j'ai donné ça à mon neveu Samé. Parce que tu ne mérites pas. Tu ne mérites même pas être l'ambassadrice des blogueuses. Non. Tu ne peux pas intervenir. Tu ne peux pas tenir un discours de 15 minutes. Je t'ai toujours dit ça. Enlève tes lunettes, tu t'assois. On te pose des questions, tu réponds. Tu es toujours en train de prendre mes déchets. Dès que je prends, je mets mes tampons là. Dès que je ne veux plus, c'est déjà usé, je jette, tu ramasses. Tu es toujours en train de prendre mes restes. Tout. Toi, tu peux me pas. Franchement, il faut dire la vérité, Ngoï. J'étais toujours dépassé, aller et retour. Parce que si je commence, moi, quelqu'un ne peut pas utiliser un rouge à lèvres. Mon ex-belle-sœur utilisait son rouge à lèvres. On te donne comme ça, tu prends. Tu es moins que rien. Tu es toujours en train de prendre toutes ces pauvres petites idiotes-là qui viennent m'insulter sur ton mur. Les chiennes qui étaient avec moi avant, elles viennent chez toi, tu les prends. Tu n'as aucune personnalité. Tu n'as pas de la personnalité, Ngoï. Ngoï, tu n'as aucune personnalité. C'est pour ça que quand tu arrives même quelque part, tu veux toujours qu'on te voie. Tu cries dans la salle. Tu sautes comme une petite fille de 15 ans. Mon frère, nous, on avance. On est déjà devant. On a déjà la quarantaine. Nous avons déjà la quarantaine. Nous sommes déjà des personnes. On peut dire que nous sommes déjà des personnes âgées. Maman, tu es toujours en train de prendre les tampons de mari, ma perpétue après usage. Tu prends. Dès que quelqu'un n'est plus malé, elle vient, tu embrasses. Parce que tu te dis qu'il y a des balles. Eh bien, dis donc. Tu as entendu que Ngoï, moi, j'ai pris quelqu'un qui t'appartenait. Tu as entendu que quelqu'un qui t'appartenait, moi, j'ai pris. Mais tu n'arrêtes pas de prendre mes déchets, toi. Et c'est là que tu mets les directs, là-bas, on vient m'insulter. Je ne peux pas compter combien de personnes j'ai larguées qui ont voulu se faire voir, que j'ai jeté comme des bêtises. Tu as récupéré. Celle que vous appelez tata machin, là. C'était un départ de mon côté. Jusqu'à être en m'insultant en disant que tu insultes le porc, tu manges la viande du porc. Aujourd'hui, tu l'appelles tata. Bêtise comme ça là. Hein? Mon premier ministre, Antoine Bachot, tu as pris. Avec sa grosse tête aussi, il est venu à ton anniversaire. Tu l'as invité à l'anniversaire. Il est venu à sa grosse tête jusqu'à ce qu'il a commencé à te faire les éloges. Je n'en cite plein que tu as pris qui était avec moi. Tu es partout. Dès que tu entends ce même que les faux profits sont en train de m'insulter, bam! Tu es déjà là. Hein? Tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de présence. Pour porter le numéro 9 là, il faut avoir de la personnalité. Oui. Moi, je peux être une ambassadrice. Vous avez proposé de l'argent ici, aux gens, pour qu'on vous donne des rapports sur moi. Mais ils ont quoi? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien sur moi.
Le jour qu'un de mes trucs va sortir, c'est que c'est un de mes ex qui a sorti ça. Ce n'est pas que je suis parti dans les films, les machins de cul là. Jamais. Le jour que ma nudité ou bien un truc compromettant sur moi va sortir, c'est que c'est un de mes ex. Oui. Mais qu'une amie ou quoi que ce soit, jamais. Jamais. J'ai un tatouage qui fait le contour. J'ai un tatouage qui fait le contour de mes reins. D'accord? Et j'ai un tatouage sur ma cicatrice. Et on a encore gâté la cicatrice parce qu'on a encore tiré ça vers le bas là-bas. Là. D'accord? Comme tu es là, que tout ce que je jette dans mes poubelles, tu es toujours là en train de renifler sur mes poubelles. Tu viens, tu prends. Toi, le ngoï là. Tu dis que tu es bête comme tes deux pieds gauches. Je t'ai toujours dit ça. Tu es trop bête et stupide même. Dès que tu entends que je parle avec telle personne, tu cours vite pour aller chercher l'amitié. Tu vas chercher l'amitié ou tu te dis que la personne va te donner quelle balle sur moi, je ne sais pas. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Comme tu te méfies quand tu pars à work là. Comme tu pars à work, que tu dis que tu vas faire la formation. Comme tu te méfies là. C'est comme ça que moi je me méfie. C'est comme ça que moi je me méfie. Comme tu te méfies que quand tu tires ton sac pour partir là-bas à Toulon là. Hein? Que tu te masques comme tu te masques avec ta nouvelle gala. C'est comme ça que moi aussi je me méfie. Je ne peux pas me confier à quelqu'un à Rouen. Jamais. Je ne peux pas me confier à quelqu'un à Rouen parce que je sais que mon poison risque de venir de Rouen. J'ai compris ça très vite. J'ai compris ça très très vite. Parce que là où tu es là, tu es prête à tout pour me déstabiliser. Mais moi, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. On va dans une discothèque, on est en train de s'amuser, on va aux toilettes, on se lave les mains. Et puis, tu vois une fille, tu dis, ah, ton rouge à lèvres là me plaît. Achète, tu m'offres. Ne me donne pas un rouge à lèvres que tu n'as jamais. C'est là que je te dépasse, ma chérie. C'est là que je te dis que j'ai de la personnalité. Oui, j'ai de la personnalité. Vous êtes là comme ça, là, vous avez même plus faim que moi. Comment se fait-il que tu es en boîte de nuit sur ma discothèque, tu demandes à quelqu'un que tu connais même pas, tu n'as jamais vu, que ton rouge me plaît. La personne est en train de mettre son rouge, tu dis, ah là là, tu as un beau rouge à lèvres. Et on te donne, tu prends, tu mets directement sur tes lèvres. Ngoï. Quelqu'un avec qui tu as eu à clasher sur la toile, on arrive à un anniversaire, qui est Maléba perpétue. La chancelière, le pape. Il faut faroter. Quand on nous invite à l'anniversaire, il faut savoir que tu dois avoir quelque chose dans la poche. Même si tu n'as pas, il faut quand même avoir un petit billet. Tu viens me demander, alors que j'étais à clasher, on nous a réconcilié, j'étais à clasher, tu viens me demander que garde-moi 20 euros là, je vais les donner. Tu n'es rien, tu es une pauvre femme. Moi, tu m'as demandé déjà, tu m'as demandé à moi. Tu es une pauvre fille, pauvre en esprit, pauvre en tout. Et c'est ça qui m'énerve que je te dis cette vérité là maintenant. Tu es toujours. Et c'est toi qui es la première, tu as dit que la seule personne sur la toile qui a de la personnalité, c'est Maléba Ngrenga. Pourquoi toi tu ne le fais pas aussi? Pourquoi tous les gens qui m'insultent là, quand ils viennent chez toi, tu les embrasses? Pourquoi tu les prends? Tu peux m'expliquer pourquoi tu les prends? Tu es à la conquête de la notoriété. Ça, tu as dit que tu as la notoriété. Tu as dit que tu es le neuf. Est-ce que le neuf cherche? Parce que quand ils viennent là, tu es contente. Après, on te donne des fausses informations, ça te rend ridicule. Ça te rend ridicule parce que tu prends toujours mes déchets. Je te dis ça. Tu deviens ridicule. Tout ça seulement parce que tu vas entendre que tu as déstabilisé Maléba Perpétue, mais tu ne peux pas. Je suis désolée, ma chérie. Oui, mon enfant, c'est bon. Mon enfant m'appelle déjà. Sur ce, je vous aime bien. Je vous embrasse. N'oubliez pas, allez faire un tour au PayPal. Et commandez vos crèmes. Celle qui a la grosse langue dans la bouche, j'ai dit je l'offrais ça. La gamme de 300 ml. Elle ne mérite pas 500 ml. Je l'offre la gamme de... Qu'elle n'est pas honte, hein? Ça, c'est le corps, visage et Kento. Apparemment, elle a un problème. Mon enfant m'appelle déjà. Maman, c'est ma priorité. C'est ma raison de vivre. Celle qu'on avait dit cache en sur elle. Je vais m'occuper d'elle parce que là, elle s'agite comme ça. Elle veut déjà dormir. Sur ce, c'était le pape, le 10. Hein? Celle qu'on ne peut pas déstabiliser, celle qu'on dit ça glisse sur elle, d'accord. J'attends les fumées de
Moto pour faire mon gombo. Sur ce, je vous aime. C'était mon droit de réponse. Grosse langue. Va faire même 50 direct, tu ne te calcules plus. C'est comme ça et pas autrement. Toi et ta bande là, vous êtes des lesbiennes. J'ai dit, vous avez fait quoi? Pécile au carré. Et quand on porte le pantalon, on ne met pas le collant. D'accord? Avec tes frottements que tu as là, laide chaud. Tu n'es pas belle, tu es laide. Et dis, va te pendre. Gonfle, gonfle, idiote, va. Bisous là-bas. Va m'occuper, mon enfant. Oui, bébé.